Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est Myersofter. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais faire une petite review d'un silencieux. Donc, de marque inconnue. Il me semble que je l'ai acheté 35 € à Sensorsoft dans une petite boutique pas très loin de chez moi. Donc, voilà. C'est un silencieux qui s'adapte sur les caches-flammes. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, là, je fais une main parce qu'aujourd'hui, je filme avec un appareil photo. Donc. On a juste à tourner ça, le dévisser au maximum. Donc voilà, donc hop. Donc je vais prendre mon ancienne M4, vu que ça va que sur ce cache-flamme là. Donc voilà, sur le cache-flamme, donc vous avez juste. Attendez, donc que je me souvienne comment faut faire. Ah oui, donc vous mettez ceci en premier, donc hop. Faites comme ça, le petit creux là, vous faites comme ça, hop, voilà, donc c'est passé. Après vous le mettez comme ça, vous le rentrez dedans et là vous vissez pour pas qu'il puisse sortir. Donc voilà, hop, donc après vous vissez, donc oui, donc comme je redis, de marque inconnue, parce que il me semble pas qu'il est de marque. Je trouve assez stylé parce qu'il est même pas que gris, il fait un peu des effets, vous voyez, blanc, gris foncé, gris un peu plus clair. Donc voilà, donc je vais relisser à peu près ça bien. Hop, donc voilà. Voilà, à peu près. Donc vous pouvez voir que ça a pas mal agrandi la réplique. Donc hop, de le silencieux. Il fait à peu près, il est, comme vous pouvez voir, j'ai pas une main, j'ai une assez bonne main quand même. Ma main fait tout silencieux, donc vous pouvez voir que quand même il est pas mal. Donc voilà, donc à peu près l'ensemble. Donc voilà, ça fait très grand. Je trouve que ça fait stylé quand même. Mais bon, ça fait quand même assez lourd sur la réplique, donc voilà. Donc voilà, c'était pour faire cette petite review de silencieux de marque inconnue. Donc, likez si vous avez aimé, sinon dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Et sinon, à plus pour une prochaine vidéo.